Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose 4 pistes possibles pour vous aider à mieux reprendre le pouvoir dans votre vie, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur des situations que vous vivez, votre perception de la réalité, changer des choses intérieures en fait dans le fond. Ainsi mieux vous libérer du pouvoir que vous donnez à des éléments extérieurs. C'est quelque chose qu'on fait toutes et tous à différents endroits dans nos vies, moi y compris bien entendu. Et souvent du coup on fait dépendre notre bien-être d'éléments extérieurs à nous, des personnes, des circonstances, des événements qui se sont passés dans notre vie, ou des attentes qu'on a sur des personnes ou par rapport à des projets. Donc voilà, tout domaine de la vie confondu finalement. Dans le fond, l'idée c'est de reprendre notre pouvoir personnel sur le monde extérieur et vraiment laisser grandir en soi le pouvoir, notre pouvoir intérieur en fait. Parce que c'est sur quoi on peut réellement agir de manière réaliste en fait, et non pas sur des éléments extérieurs. Donc ça peut sembler être une évidence pour beaucoup, néanmoins c'est ce qui se passe très régulièrement, c'est ça souvent, on a besoin de se libérer de certaines attentes extérieures pour mieux reprendre ce pouvoir personnel, et puis aussi de nous libérer, de nous apaiser face à des déclencheurs externes qui génèrent en nous des émotions, certains types de pensées, que ce soit, j'en sais rien, écouter les actualités, entendre telle ou telle personne dire ceci ou cela, la manière qu'on peut avoir d'anticiper un événement qui est censé arriver, je sais pas, un examen ou n'importe quoi, un élément de notre histoire de vie dans notre passé, pourquoi est-ce qu'on lui donne encore du pouvoir dans notre vie 30 ans plus tard? Bien sûr, s'il s'agit d'un événement traumatique lourd, il est indispensable de le travailler en thérapie, et une fois qu'on l'a travaillé en thérapie, vérifier est-ce qu'on lui donne encore du pouvoir en fait. Bref, l'idée globale, c'est, je vous propose de tester les pistes que je vais vous proposer ici, par rapport à peut-être un élément dans votre vie, là, à l'heure actuelle, qui vous pose problème, hein, en lien avec votre passé, votre présent ou votre perception du futur. Puis vous allez voir ce que ça change pour vous, ce que ça vous apporte comme enrichissement. À vous de voir. Donc, dans un premier temps, la première piste que je vous propose en fait d'explorer, c'est de vous poser régulièrement dans votre quotidien, lorsque vous ressentez le besoin de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est de vous poser tout simplement cette question, mentalement ou à voix haute, comme vous voulez, c'est à qui est-ce que je donne le pouvoir dans cette situation ? Sous-entendu, la réponse, c'est soit à vous-même, soit à l'extérieur. Un élément extérieur, une personne, une circonstance. Voilà. À qui je donne le pouvoir dans cette situation ? Si c'est à vous-même, très bien. Si c'est finalement à quelqu'un d'autre, à une attente externe, eh bien, l'idée, c'est d'apprendre à reprendre cette part de pouvoir et à agir sur ce qui ne dépend que de vous. Donc, au-delà de cette simple question, à qui est-ce que je donne le pouvoir là maintenant, si vous vous rendez compte que vous donnez le pouvoir à quelque chose d'extérieur à vous, c'est vous poser ensuite une question du type, par exemple, donc qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Comment je peux faire pour mieux vivre cette situation? Sous-entendu, qu'est-ce que je peux, par exemple, ce ne sont que des exemples, hein, changer dans mon mode de pensée, qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude, qu'est-ce que je peux changer par rapport à mes attentes, comment je peux me libérer d'attentes. On va du coup voir tout à l'heure quelque chose pour mieux se libérer des attentes. Qu'est-ce que je peux changer dans mes actes ou dans mes émotions? Qu'est-ce que je peux travailler comme émotion, seule ou accompagnée, pour mieux me libérer de ça? Il y a d'ailleurs pas mal de pratiques de libération émotionnelle sur ma chaîne, par exemple, si vous avez besoin. Voilà pour ce premier point, c'est vous aider de ce type de questions pour mieux reprendre votre pouvoir personnel sur les situations que vous vivez. Deuxième clé que je vous propose, c'est d'effectuer une pratique symbolique en fait de reprise de pouvoir, une pratique que vous retrouverez plus en détail par exemple dans une vidéo du formateur en développement personnel qui s'appelle Alexandre Nadeau. En version ultra abrégée, cette pratique symbolique qu'il propose pour mieux reprendre notre pouvoir par rapport à
peu importe la situation, tout type d'événement extérieur qui génère quelque chose en nous, eh bien c'est simplement de dire à voix haute, et idéalement de coupler ça avec un mouvement physique pour bien le vivre corporellement. Mettez vos mains comme ceci, puis dites quelque chose comme, une phrase comme « Je reprends toute mon énergie, je reprends tout mon pouvoir, je reprends tout le pouvoir que j'ai donné à telle ou telle situation. » Et mettez l'intention que ce pouvoir personnel, cette énergie que vous avez laissée à l'extérieur, elle est en train de revenir dans vos mains, puis graduellement avancer vos mains jusqu'à venir les poser sur l'espace de votre cœur. Et observez ce qui se passe dans vos sensations, quand vous accueillez cette énergie, quand vous récupérez votre pouvoir, quand vous le ramenez à l'intérieur de vous, ce pouvoir qui était donné à l'extérieur. Puis Alexandre Nadeau, il propose de le faire sur n'importe quoi, ce que vous voulez, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Je reprends mon pouvoir sur telle situation. Je reprends le pouvoir, l'énergie que j'ai donnée à telle personne dans ma vie. Vous pouvez aussi le faire par visualisation, mentalement, pas forcément besoin du mouvement, mais il concrétise, je trouve, pas mal ce processus. Donc voilà pour cette deuxième piste possible. La troisième piste possible pour mieux reprendre le pouvoir, c'est de passer par un autre type de visualisation pour vous libérer d'attentes que vous aviez mises sur l'extérieur. Donc là, je me base sur une idée qui est proposée par Susan Jeffers, qui est donc l'auteur notamment du livre « La vie à bras-le-corps », mais aussi du livre « Trembler mais oser », je crois que ça s'appelle en français. Enfin, « Feel the fear and do it anyway ». Bref, c'est une auteure. Elle propose par exemple, pour mieux se libérer d'attentes, qui sont donc extérieures à nous en fait. Si on fait dépendre notre bien-être d'un élément extérieur, on ne sait pas s'il va arriver ou pas en fait. On peut mettre en place des choses pour augmenter nos chances qu'il arrive, mais on ne peut pas le prédire avec certitude. Donc on peut par exemple visualiser que, par exemple devant nous, il y a cet élément extérieur à qui jusqu'ici on donne le pouvoir, qui est une attente. Et puis on peut imaginer en fait des ciseaux virtuels, donc moi je le symbolise comme ça avec mes mains, et on peut couper le lien entre nous-mêmes et cet élément extérieur, cette attente. Donc imaginez des ciseaux virtuels, donc soit faites le mouvement concret là avec votre main comme moi, soit visualisez vous avec votre attente extérieure et des ciseaux virtuels, et imaginez-vous en train de couper le lien entre vous-même et cet élément extérieur à vous, cette attente. Imaginez ces ciseaux virtuels qui coupent ce lien pour vous vraiment vous libérer. Vous libérer d'attente. Et puis, alors Susan Jeffers propose différentes choses, dont le fait de vous dire par exemple, plutôt que de vous dire dans votre quotidien, j'espère que telle ou telle chose va se passer, c'est je me demande si telle ou telle chose va se passer. Ça libère d'une attente extérieure. Elle propose aussi des choses comme de se dire, bah, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, je gérerai, je m'adapterai, je saurai m'adapter à ce qui se passe, peu importe que ça arrive ou pas. Voilà, ça peut s'appliquer à tout type de choses dans la vie. Quatrième et dernier point, dernière piste possible parmi tant d'autres, certainement pour mieux reprendre votre pouvoir personnel, eh bien, c'est d'agir par rapport à vos croyances, en fait. Donc, c'est-à-dire sur vos pensées qui vous limitent, des pensées que quelque chose en vous prend pour une forme de vérité, en fait. Donc, s'il y a une situation dans votre vie qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, c'est que peut-être il y a une croyance négative, limitante, une pensée négative en lien avec ce que vous vivez, qui peut-être, à un certain niveau, crée cette réalité pour vous, peut-être. Si vous vous dites tout le temps que ce n'est pas possible pour vous de, j'en sais rien, de rencontrer quelqu'un, ou de décrocher tel ou tel poste, que vous ne le méritez pas, ou que vous ne méritez pas d'être aimé, que si, que ça, s'il y a une pensée comme ça qui traînaille dans le fond, c'est pas très aidant, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'une des clés dans le développement personnel de manière plus générale, c'est important de repérer nos croyances, nos pensées limitantes telles que celles-ci. Les repérer, c'est déjà une manière de s'en dissocier. Et puis d'autre part, vous pouvez vous demander en quoi c'est vrai, en quoi c'est faux, pour encore mieux défiger, si je puis dire, cette croyance. Et puis vous pouvez aussi vous aider de
tout un tas de méthodes, d'un accompagnement bien sûr avec un thérapeute évidemment, et ou de pratiques que vous pouvez effectuer de manière autonome, telles que de l'EFT et notamment aussi la méthode des choix de l'EFT. Je mettrai des liens en description de cette vidéo parce que j'ai des pratiques guidées de ce genre de méthode d'exercice. Donc voilà pour ces quatre pistes possibles pour mieux reprendre votre pouvoir dans vos vies, donc à appliquer à tout type de situation. J'espère en tous les cas que c'était suffisamment clair et que cela va pouvoir vous aider dans différents types de situations. Merci à vous, à bientôt.